T'as quoi? Déjà quand je joue et que je regarde en live, ma co elle est pas bien tu vois. Sérieux? Ouais elle est pas bien. Voilà. Ouais donc il te faut super longtemps pour télécharger un truc je suppose. Dès que je fais un gros téléchargement, genre en jeu, après je la mets en repos ma play. Mieux, ah repos. D'accord. D'accord. Avant j'avais des problèmes de coups avant. Du coup j'ai acheté un répéteur. Mmh. Re-Quentin. Ah bah dommage, t'as raté un top, un beau top hein, Quentin. Ah j'étais monstrueux en plus. Vas-y viens, on va à la tour rouge ici si on peut. Il y a déjà quelqu'un, laisse tomber. Je vais aller là où tu peux. Non, okay. Il a pris le pompe. Je vais sauter. 72 pompes. Oh merde, j'en ai un devant moi. Bon ben on fera pas de top 1 à cette partie hein. J'ai pas d'armes. T'as pas d'armes et voilà. Donc y'en a qui courent, il y en a qui ont des armes et nous on a rien du tout. Ah, t'as une arme. Mais t'inquiète, quoi, on t'en veut pas d'être parti. C'est tout à fait normal que ce qui t'arrive. Hein. Mais bon, t'as raté un beau spectacle quand même. J'ai fait 10 kills. Bah, Yalek, il en a fait 5. À la fin, bah, il a détruit la dernière équipe tout seul. Et moi, comme un crétin, j'ai bu ma popo à découvert. C'est le cas de le dire. Comme un crétin. J'ai qu'un pompe. Bon, oh, ça va aller. De toute façon, tilted, la plupart du fight, c'est que du pont, donc. T'es sûr de pas être désavantagé, quoi. Ouais, puis y'a plus rien. Et... Oh, si, j'ai oublié quelque chose. Il descend de quoi? Je pense pas. Parce que moi, y a celui qui m'a tué, il était au rez-de-chaussée. Donc à mon avis il est parti remonter peut-être avec son pote. J'ai quoi ça? J'ai jamais eu. Bah, voilà. En gros par exemple si tu veux, c'est sur une structure et tu vas aller sur une autre par exemple qui est à quoi 2-3 mètres. Eh ben tu la poses à tes pieds, t'avances un petit peu et tu vas avancer devant. C'est trop stylé. Ah j'ai vu sur le live. Ouais y'a des mecs qui s'amusent à faire ça, je sais pas comment. Je sais pas d'où leur est venue l'idée quoi. Donc des fois quand tu sais la tempête elle est loin ou quoi. Bah avec des potes on a déjà fait ça. Genre y'en a un qui était derrière avec les grenades, il nous a vu tous les trois, on était collés, nous en a balancé une et on avançait plus vite. Ah, Slender il m'a envoyé des... Slender, 16-14, on est SND, 14-4. 24-11. 33-17. Oh le bâtard. 23-17. Pas 16, bon ça se voit. GG mec. Allez.
C'est toi qui m'as dit que t'allais re-télécharger le jeu. Faire les mages. J'avais le judge. Ouais, ouais, mais je veux dire, ça faisait quoi? Ça faisait quelques semaines que t'avais pu jouer, c'est ça? Plus, hein. En mois, je pense. T'as remarqué comme il y a beaucoup de choses qui ont changé ou pas? Ah, de ouf, hein, c'est un fou. Le jeu, c'est plus le même. Ouais, bah déjà, il y a 2 semaines, il y avait déjà une mise à jour qui avait été faite pour préparer les 60 FPS. Et l'image était déjà beaucoup plus nette. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont rendus compte. Mais bon, moi j'ai un écran AMS et j'ai un écran LED, tu vois. Donc, limite quand j'y jouais, c'est limite si ça m'a pas flashé les yeux tellement c'est encore plus clair, quoi. Et les pompes, ça a complètement changé. Enfin, ici, ça va, j'arrive à les gérer parce que. À un moment, il y avait l'optique de. Enfin, au tout début du jeu, le pompe avait une certaine façon de faire qui pendant quelques mois, ils ont pas changé. Puis à un moment, ça a complètement changé. Genre, tu sautais, tu pouvais continuer à viser, mais c'était complètement changé. Puis ils ont commencé à faire. Tu peux plus viser en sautant. Puis après, ils ont refait un autre truc avec les pompes où, en gros, quand tu tirais, bah, t'avais beau mettre le canon sur sa tête. Tu pouvais, par exemple, mettre que du 3 de dégâts, tu vois. Alors que t'es à 30 cm du type. Et là, ici, franchement, la mise à jour, la dernière mise à jour qu'ils ont fait avec les pompes, je kiffe. Genre, même avec le pompe automatique vert, je mets des 100 de dégâts, quoi. Dans la tête. Donc, franchement, je trouve ça agréable. Puis après, ça touche beaucoup mieux au niveau des balles. Je sais pas si t'as remarqué. Ah, de ouf. Il y a plus de précision. Bah, ils avaient fait un mode test là-dessus. Stand de tir. Et en gros, comment? Il fallait vraiment faire gaffe. En fait, si tu veux, tu devais viser. Pendant que tu visais, tu devais pas bouger. Mais y'en a qui ont pris un trampoline, mais je sais pas où il est. Ah, il est derrière. En gros, quand tu vises, genre tu dois voir le mec, tu vises pendant quoi 2 secondes, et ton réticule sera beaucoup plus précis qu'avant, tu vois. Bah là, ici, ça va, ils ont. Quand tu tires dessus, t'es sûr de toucher, quoi. Limite, comme je t'ai dit tout à l'heure, le mec à un moment était sur le toit de l'industrie. J'ai même pas fait exprès, enfin j'ai eu un shoot de merde et j'ai mis une tête à 62, alors j'ai même pas fait exprès, quoi. J'étais même pas sur lui. Un truc de ouf. T'as vu, ils sont partis? Ouais. Ah, dommage. Ils t'ont même pas vu. Ah, quand même. J'ai... Ouais, c'est des gros bambis. Oh là là. Putain. Mais ça bug. Ouais, des fois les constructions ça bug. GG. J'avais oublié le reload. Ah, mais ouais, il y a le reload. La zone est loin. Ouais. Mais y'avait pas un medikit à terre? Si, si, y'en a un. T'aurais plus facile. Je suis vraiment en plomb maintenant. Elle est. Le début de la zone, c'est où? Un peu devant Retail. Ok. En plus, t'es bien, t'as une SCAR, t'as un snipe, c'est ça? Faut que je pense maintenant que le pont le recommence, il se recharge pas tout seul. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que dès que j'ai entendu qu'il y avait des débats sur ouais, double pompe chasseur, ça va être supprimé dans le sens où il va être nerf, tu pourras plus utiliser comme avant. Je me dis, ça va, je vais faire pompe chasseur plus pompe tactique au début de game, puisque c'est là qu'il va y avoir le plus de fight à courte distance. Et pour finir, maintenant, c'est la plupart des gens utilisent cette méta-là, donc...
Après, franchement, le pont, le double pont chasseur, tu peux toujours l'utiliser. Sachant que t'as ton reload. Ah, bon. Mais le problème, c'est que si t'es un bon joueur, le reload ne doit pas te poser de problème. Dans le sens où, moi par exemple, enfin, vers la fin de game, ce que je fais, c'est que je ne reste plus qu'avec un pont de chasse. Ou avec le pont poteau, ça dépend en fonction de la game, au moment de la game, lequel m'est le plus avantageux, tu vois. Genre par exemple, ici, fin de la game précédente, j'ai gardé mon pompe chasseur parce que c'est avec celui-là que je faisais le plus de dégâts et que j'arrivais à toucher le plus, tu vois. Mais il y a des games, c'est l'inverse, c'est le pompe tactique qui est le meilleur pour moi. Et je me dis que, allez, même si c'est le pompe chasseur et que t'es un double, au moment où tu dois prendre ton reload, si c'est un tir intelligent et que le mec est au corps à corps, construis, tu vois. Et hop, t'as le temps de reload, le mec il passe ta constru, boum. Oh, j'ai... Boss. Ça va, la zone elle est juste à côté. Intéressant. Prends peut-être le midi kit. Non, j'ai deux... T'as deux pompes chasseurs ? Deux feux de camp. Deux feux de camp ? Oh, ça va alors. Tu vois ce que je vais faire moi ? Non, je sais pas. Ok. Moi j'ai déjà testé, mais ce que je trouve dommage avec le Deagle, c'est que ça fait énormément de bruit. Et moi, tu vois, j'ai un mixant, donc le son. Ouais, tu les as vu. Le son, c'est vraiment. Il est amplifié dans mes oreilles. Et quand ça tire, oh, ça me fait mal aux oreilles, mais un truc de dingue quoi. Mais sinon, il est pas mal. Moi, j'arrive, j'ai plus de précision en oscope. Alors, tout à l'heure, il y a un mec qui m'a challenge, j'ai sauté, j'ai mis un oscope, je l'ai touché direct. Mais j'ai essayé de viser, je l'ai pas touché. Il est bien, sauf qu'il est bien, il est pas précis. Ouais, niveau précision, c'est ça. Même de loin, par exemple, j'ai vu un mec avec qui j'ai joué tout à l'heure. Ok, ils t'ont toujours pas remarqué, quoi, les mecs. Non, mais vraiment, super. Vraiment plus, ouais. Tu l'as raté? Ah ouais. Ouais, il me semblait que t'étais dessus. Mais il y a un, par exemple, il y a un mec, il y en a un qui était au fond, allez, à peut-être 150 mètres, il bougeait pas le type. Ouais, easy. Le mec il bougeait pas, il l'a aligné dans son viseur, pas touché. Mec, c'est sérieux? Ouais, il te voit pas. Ouais, il te voit pas. Ouais, là ils t'ont vu, je crois. GG. Bah, tu peux le rusher, hein. Mais c'est quoi ces mecs? Sérieusement? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, du violet. Ah, y a rien d'intéressant. Oh mon gamin. Chien. Mon dieu, mec! Meurtre. Il y a des mecs derrière. Oh, dégage, t'as pété, dégage. Tu pues. Oh, infâme comme chien, putain. Oh. Ouais, tu pues, dégage. Ouais, toi t'es sûr qu'il y a personne qui rentre avec tes pièges, toi. Ouais, tout ce qui te manque là, c'est une grosse popo. Ouais, la construction de bata. Mais je crois qu'après celle-là, je crois que je vais arrêter. Ouais, ils vont trash. Ouais, réfugie-toi dans ta maison avec tous les pièges que t'as mis. Ouais, il est juste à ta gauche. Il est au-dessus de toi. Pourvu qu'il me voie pas. Il
Ouais, ils vont te chercher au top. J'aimerais bien qu'ils se prennent les pièges, s'ils si ont pas vu. À mon avis, ils ont vu, parce que vu qu'ils viennent de construire, en fait, je crois justement qu'ils ont repéré qu'il y avait des pièges, en fait. Mais toi, le feu... Non, non, rebande pas, demande pas. Dommage. Parce que avec le feu de camp, t'as eu assez. Tout à l'heure, j'étais à 57 et j'y suis allé à 100. Ouais, ils reprennent ta maison comme construction. Ça sert à rien, ils sont pas zone. Ah si. Et t'as combien de pièges? J'en ai plus là. Putain, t'en as mis un au-dessus, t'en as au moins mis 3 ou 4 dans la maison là-bas. Et t'en as mis un ici. Putain. À mon avis, t'as les pièges de toute la partie. Ils bougent pas. Bon, vu qu'ils sont zone et qu'ils t'ont pris ta base, ils vont se dire que tu vas certainement revenir la chercher. Je crois que si. Je crois qu'ils sont vraiment au bord. Attends. Ah, ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Tu restreams pas après. Non, 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 je vais aller regarder un film. À mon avis, je vais m'endormir dans le divan comme un gros connard. J'ai mal à la tête, j'ai des yeux qui piquent. Et demain, il faudrait que je me lève vers 5h30 pour restreamer au matin, donc... Enfin, 6h30 plutôt. 5h30. Ça va lui, hein. On va se calmer sur la détente. Ah non, eux ils sont pas zone. Mais la maison qui est juste en face, un peu plus à gauche, en face du tacos, ça, elle est zone celle-là. Mais celle-là elle l'est pas. Attends. Ils sont pas encore descendus. Ok, ils t'ont pas vu. Vas-y. Ninja. Ouais, ils sont en face. Ouais, ils sont partis les tchals. Ah, même pas. Ah, ils sont pas aidés dans la grosse construction. Il y a une team à droite, une team à gauche et une team dans les constructions. Ok. Ok, je vois que ça, ils sont là. Ok, il reste plus que 5 personnes. Moi je te propose de contourner la zone par la droite, il y aura personne qui va te voir je crois. Parce que il y a deux équipes qui se fight. Et il reste encore un peu plus de gens mais... Pourquoi j'ai pas de quoi attendre une balle de sniper. Ok. Regarde, il y a du loot à droite. Il y a des trucs en or à droite. Ça tombe, il y a peut-être des balles. Ils ont peut-être tué quelqu'un et ils ont pas été chercher le loot. Ah ben il y en a là. Nickel. Fais gaffe qu'il y a l'autre pote qui est juste de l'autre côté. Ah derrière toi, voilà. Il est juste... GG. Fais gaffe que la zone elle fait très très mal. Hein. Ouais, GG. Il reste plus que 3 personnes. Donc, à mon avis, dans la grosse. Non, c'est pas grave. Dans les deux grosses constructions. Ah, dans la grosse construction, à mon avis, ils sont 2. Non, j'aurais lâché le sniper.
Ah, moi j'aurais été toi, j'aurais lâché le Magnum. Enfin, le Desert Eagle. Le sniper il sert plus à rien maintenant, c'est pour ça que j'aurais lâché. Ouais, moi aussi. Bon, encore l'Eagle il sert. Hein. Mm-hmm. Moi j'aime bien jouer avec. Ok, je crois que t'es vu. Je crois que t'es vu, mais je suis pas sûr. Deux mecs dans la grande tour. T'as plus qu'à la jouer sneaky. Grande tour, je crois qu'ils sont encore zone. Je te dis attends, parce que toi ils savent pas du tout où tu es, et une fois qu'il y en a un qui va être mort, ça va délivrer tout le truc. Parce que soit ça va être celui de droite qui va mourir, t'auras plus du 1 que du 1 contre 2, ou soit il peut y en avoir un des deux en face qui va mourir. Et là, tu vas pouvoir aller les challenge. Bon, ils sont en train de se challenge là. Nickel. Ok, voilà, super. What? What? Oh, c'est quoi cette game? C'est quoi cette game? Quand t'es mort, t'avais dit quoi quand t'es mort déjà? Ouais, on fera pas de top 1. Non, ouais, je suis monstrueux. Ouais. Non, je suis monstrueux, en vrai. Heureusement que je t'ai fait redonner envie de jouer.